des médicaments qui coûtent plus cher, de grosses sociétés européennes qui contrôlent nos aqueducs et nos égouts, des multinationales qui contrent les choix des collectivités. Tout cela pourrait devenir la réalité à cause d'un accord commercial vicieux que trament le Canada et l'Union européenne. Le Canada et l'Union européenne sont à négocier un accord économique et commercial global, aussi appelé AECG. Ça sonne mal et c'est gros. L'Union européenne est exigeante. Les Européens demandent l'accès aux biens et services que fournit actuellement le secteur public. On parle ici de services publics comme Manitoba Hydro, la Poste et l'approvisionnement des gouvernements en biens et services à tous les niveaux. En fait, c'est la première fois qu'un accord commercial inclurait des activités municipales comme l'approvisionnement, les projets d'infrastructure et la fourniture des services municipaux. Et puisque cet accord étend les droits des compagnies à présenter des offres et à fournir ces services, il entraînera une privatisation accrue des services essentiels aux collectivités qu'assure actuellement le secteur public. Paul Moist, président national du SCFP, sonne l'alarme. Les compagnies européennes veulent s'emparer des services publics canadiens. Many of us believe because the deal's not out in the open, it's being driven by largely the European Union wanting access to something new for them that they don't have access to now. And that's a large chunk of Canada's public sector. L'AECG modifiera aussi les services d'aqueduc et d'égout de nos villes et villages. Au Canada, la plupart de ces services sont assurés par les gouvernements municipaux. Les grandes sociétés européennes comme Veolia et Suez cherchent de nouveaux marchés. L'AECG ouvrirait nos services d'aqueduc et d'égout aux offres. Voici les conséquences de l'AECG pour l'eau du Canada, selon Maude Barlow, présidente nationale du Conseil des Canadiens. CETA is a key threat to public water services. Paul spoke about this. The EU is absolutely insistent that drinking water be included in the disciplines of the deal. Under a CETA with these big companies, Veolia and Suez and others, in there vying for these contracts, you would have to open all of this up. It would be a 1-2 step to privatization of our water services. La démocratie subira l'un des plus graves impacts de l'AECG. L'accord transfère le pouvoir des gouvernements locaux aux multinationales. Il accorderait aux grandes sociétés européennes le droit de poursuivre les gouvernements canadiens pour contester les décisions susceptibles d'avoir un effet négatif sur leurs futurs bénéfices. Les gouvernements locaux qui choisissent d'acheter local ou d'exclure les sociétés européennes à but lucratif des appels d'offres sur les contrats de services publics pourraient être déboutés par un tribunal commercial non imputable pour avoir violé l'AECG. La loi sur l'énergie verte de l'Ontario, les politiques d'approvisionnement local en nourriture et les politiques d'achat éthique sont menacées. L'AECG touchera aux soins de santé. Dès sa signature, le prix des médicaments montera en flèche de 2,8 milliards de dollars par année, selon une étude récente. Comment notre réseau de la santé, déjà surchargé, pourrait-il absorber une telle somme? Claude Généreux, secrétaire trésorier national du SCFP, se demande en quoi cet accord profiterait aux Québécois et aux Canadiens. On peut donc croire que le libre-échange, ça marche! Mais ça ne marche pas pour tout le monde. C'est avantageux pour eux et elles, ceux qui dirigent les sociétés, ceux qui nous dirigent, ceux qui en tirent les profits. Mais les produits pharmaceutiques sous ce traité, s'ils voient le jour, ça va faire en sorte que les produits pharmaceutiques vont nous coûter 50 % plus cher que ce qu'ils nous coûtent maintenant. Qu'est-ce que 50 %? C'est un pourcentage, mais ça voudrait dire à peu près 3 milliards de plus par année. Pour le Québec, plus de 800 millions par année. L'AECG et les grandes compagnies européennes en ont complètement contre les monopoles de sociétés d'État. Ça, ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Mais un monopole commercial, ça, ils n'ont pas de problème. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. En extensionnant ses droits de propriété, c'est un monopole qui est maintenu plutôt qu'avoir des médicaments génériques, par exemple. Alors, ça nous mettrait pas mal en arrière d'une solution pour une crise qui s'annonce dans la santé. Chaque année,
l'Union européenne vend au Canada pour plus de 5 milliards de dollars en médicaments. Elle demande maintenant une protection étendue des brevets au nom des pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'il faudra plus de temps avant que des médicaments génériques apparaissent sur le marché et que nous paierons plus cher. Les Canadiens souhaitent que leurs services publics demeurent publics. Selon un récent sondage d'Environics Research, les Canadiens veulent que le secteur public leur fournisse des services sûrs, fiables et de qualité. Il nous reste peu de temps. Les gouvernements provinciaux et fédéraux négocient et décident ce qui fera partie de l'entente ou non. Agissons dès maintenant. Que pouvons-nous faire contre l'AECG? Le directeur d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, soutient que nous détenons un réel pouvoir. On a un pouvoir réel d'action sur un accord comme tel, sur un accord comme celui-ci. Ce n'est pas une fatalité, hein, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de se mobiliser au Québec, de se mobiliser ailleurs au Canada, d'aller chercher le plus d'informations là-dessus, de transmettre le plus d'informations, de demander aussi de la transparence. Mobilisons-nous. Participez à notre campagne de cartes postales. Signez la pétition s'opposant à l'AECG. Regroupez-vous pour que votre ville ou votre commission scolaire vote une résolution contre l'AECG. Demandez aux gouvernements provinciaux d'agir et de rendre des comptes. Portez ce dossier dans votre collectivité. Écrivez une lettre ouverte aux journaux. Organisez des démonstrations publiques. Ensemble, nous pouvons stopper cet accord commercial pour protéger nos collectivités, nos soins de santé et nos services publics.